Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Aujourd'hui, je vous propose de préparer avec moi le plat préféré de mon fils, un plat allemand, les Schinken Noodles. Je vous prie d'excuser mon accent. C'est un plat très simple à base de pâtes. Donc dans un premier temps, on va insérer le hachoir dans le robot, ajouter un oignon entier et lancer le robot en vitesse 11 pour 15 secondes. À l'issue des 15 secondes, nous allons ajouter une cuillère à soupe d'huile, bien ramener les morceaux d'oignon vers le fond de la cuve et lancer le programme Slow Cook P1 pour 10 minutes sans le bouchon afin de laisser s'échapper l'humidité contenue dans les légumes. Nous allons ensuite ajouter 400 g de poitrine fumée, donc ça peut être des lardons fumés ou des allumettes fumées, c'est ce que j'ai pour ma part utilisé, que nous allons incorporer donc à l'oignon et nous allons mixer le tout en vitesse 12 pour 30 secondes. Remettez le bouchon si vous ne voulez pas repeindre vos murs. Une fois que les 30 secondes sont écoulées, la recette est presque terminée, vous allez le voir. Dans une grande poêle anti-adhésive sans matière grasse, vous allez mettre donc votre haché de poitrine fumée. Hein. Vous la répartissez bien dans la poêle et à feu fort, on va laisser revenir. C'est un petit peu long à griller parce que c'est très gras. Alors pendant ce temps, vous voyez, moi j'ai fait cuire mes pâtes. Vous allez voir, ça va commencer à sécher et des petits morceaux de lard fumé bien grillé vont se former. Une fois que vous avez la consistance nécessaire, vous voyez, il faut que ce soit un petit peu grillé, vous allez égoutter vos pâtes et ajouter tout simplement votre haché de lard à l'oignon à vos pâtes. Voilà, cette recette est déjà terminée. Évidemment, vous pouvez l'agrémenter de fromage râpé. Pour ma part, je l'aime nature, comme ça. Je vous invite à tester cette recette et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.